c'est au fini. Je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, je m'en vais à Montréal faire un tournage pour le Petit Cabaret avec Mario Tessier, celui qui a fait les grandes gueules. Alors aujourd'hui, ben, on fonce, on y va. On a hâte et on est super excités. Alors, à la prochaine! Le Petit Cabaret, c'est une longue journée de tournage. Aussitôt que je suis arrivée, je suis allée direct à la loge pour me faire maquiller, coiffer par des professionnels. Wow! Oui, c'est vrai. C'est pas mal belle. Ok, ça va être ton entrevue. Pince-toi, voir si c'est vrai. Oh, ça fait mal. Donc, c'est vrai? Donc, oui, c'est vrai. Je vous assure, je ne suis pas en train de dormir. C'est pas une fausse caméra. Je suis allée passer une longue période d'entrevue pour savoir mes impressions. Les impressions d'Ophélie dans 3, 2, 1. Moi, juste avant de rentrer sur scène, c'est sûr que souvent le monde est stressé, mais moi, je suis plutôt excitée. Alors, j'ai hâte, je me concentre, je me dis juste avant, ben, je peux m'accueillir dans ma tête et je rentre. Super, on l'a fait pour la chance des partenaires. Après, nous sommes allés dehors pour une entrevue pour savoir qui je suis, d'où je viens et patati et patata. Bonjour, je m'appelle Ophélie, j'ai 10 ans. Moi, je viens de Québec et moi, je danse depuis que j'ai 18 ans. Oh, good job! Yeah! Après les super entrevues, je suis allée me faire maquiller, coiffer. J'ai enfilé mon costume pour la générale. Je suis accompagnée de ma professeure de danse, Emmanuelle Degagné, qui a fait aussi mon maquillage. Ok, j'avoue, là, je suis allée prendre des selfies jusqu'à temps que je me fasse pogner. Ah, t'es fait pogner? Réchauffement, étirement, c'est important. Je vous le dis tout le temps. Ok, c'est mieux. La scène, elle était grande, elle était géniale, elle était super belle. Elle avait beaucoup, beaucoup de lumière, de flashlights. Il y avait même des lumières comme accrochées partout, là. Juste à côté, il y avait un bar à bonbons. C'était vraiment drôle. Avec plein d'affiches du Petit Cabaret, avec des lustres dans les airs, c'était magnifique. Là, c'est le temps de la générale avec Mario Tessier. Ok, j'avoue, il était vraiment drôle. Le Petit Cabaret est très fier de vous présenter ce soir, Ophélie Pichet. Tu peux bouger beaucoup, tu restes à peu près. Le thé, il faut que tu sois entre les jambes, comme ça. Boum! On est dans la lumière, on est parti. Alors, je vais demander un silence patient, s'il vous plaît. Je vous répète, je demande un silence. Plateau pour la répétition. Pour ma... Voici un extrait inédit que vous n'avez même pas vu à la télé. Alors moi, je vais te poser une question qui ne sera pas là tantôt. J'ai lu que ton plus grand rêve serait de danser avec le danseur étoile international Mario Tessier. Est-ce que c'est vrai? Oui, vraiment. Oui. T'as de la menteuse, hein? Ok, j'avoue, il était vraiment, mais vraiment, vraiment drôle. Ok, là, il était extrêmement, mais vraiment, vraiment, vraiment drôle. Puis ça, je peux vous l'avouer. Ah, ben oui! Ah, non. Voici en direct les infos de dernière minute. Mario Tessier porte des lunettes. Quoi? What? Le Petit Cabaret est très fier de vous présenter Ophélie Pichet. Le Petit Cabaret était accompagné d'une actrice appelée Eve Landry. Elle est comédienne dans plein d'émissions que vous connaissez et en plus, elle chante. Ce soir, elle s'est dévalée de Lietville pour nous. Alors, elle nous interprète Mistral gagnant de Renault. Voici Eve.
tellement gentille. Wow. Ce que vous savez pas, c'est qu'il y a un animateur de foule qui est à l'arrière de la caméra. C'est lui qui fait applaudir le monde. Là, c'est un peu plus long que prévu. Les gens qui viennent nous voir. Alors, ce serait fort qu'on ait fini avant que les enfants soient rendus plus vieux. Est-ce que je vous ai dit que Mario Tessier était drôle et gentil? Chante la chanson. Chante la chanson. Tu connais pas ça? Non. Voyons, c'est sorti en 1964. Il fallait que je sois en avant, en train de faire la bouffe, comme d'habitude. Et il y avait aussi maman qui faisait « Wouah !» criait. Moi, j'ai adoré les tournages. C'était vraiment une belle expérience où que je me suis amusée. J'ai eu du plaisir à rencontrer des nouvelles personnes. Tout le monde était drôle. Tout le monde, on se parlait toutes et... Ben, c'était le fun, on s'amusait, c'était un beau plateau, une belle équipe et aussi rempli d'artistes talentueux. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous, écrivez-moi un message, dites-moi c'est quoi votre passion. Peace guys, à la prochaine! Oh, c'est moche que je peux pas faire devant la caméra! Ça a été beaucoup de stress quand même. Une première émission, vous avez été extraordinaire. Bravo, sérieusement.